Merci franchement de l'honneur que vous nous faites en suivant régulièrement et même religieusement en profondeur. J'espère qu'en utilisant le mot religieusement, je ne heurte pas la sensibilité d'un des pasteurs qui est sur ce plateau. Je vous présente mes invités et le premier justement, c'est le nouveau venu, le pasteur Mondadi. Pasteur Mondadi, bonsoir et bonjour. Bonsoir Monsieur Kibambi. Deuxième personne à être présentée, c'est Monsieur Béamouamba Aristote. Monsieur Béamouamba Aristote, bonsoir et bonjour. Bonsoir Monsieur Kibambi. Vous suivez régulièrement en profondeur, vous nous écrivez souvent des SMS et voilà qu'aujourd'hui vous êtes sur le plateau de profondeur. Félicitations parce que c'est une chose qui vous tenait vraiment à cœur. Merci. Troisième personne ou personnalité à être présentée, il s'agit de Monsieur Manara Kamitegadeli. Professeur, bonsoir et bonjour. Bonsoir Monsieur Kibam. Quand, chaque fois que vous nous faites des infidélités, les téléspectateurs vous réclament. Et c'est un plaisir renouvelé que de venir et de répondre à votre invitation. Merci, professeur Manara. Cher ami Roger Ganzumba, bonsoir et bonjour. Bonjour et bonsoir, monsieur Kibambi. Ça fait bientôt un peu plus de 12 ans que nous présentons cette émission en profondeur. Je rappelle que parmi les premiers, il y avait justement M. Ganzumba et le professeur Manara. Aujourd'hui, un titre provocateur, l'école, pourquoi faire? Eh bien, nous allons d'abord écouter le pasteur Mondadi, pas pour nous faire la prière, puisque j'espère que chacun a fait sa prière le matin avant de venir à cette émission, mais pour nous faire une proposition de stratégie pour faire en sorte que l'école congolaise puisse être performante et à l'extérieur et nous servir de manière tout à fait adéquate à l'intérieur du pays. Monsieur Mondadi, je vous donne quelques minutes pour nous faire la synthèse de votre proposition. Oui, merci Monsieur Kibambi. J'ai un plan stratégique pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Ce plan stratégique a un état final recherché. Cet état final recherché, c'est la création d'une école compétitive en République démocratique du Congo pour un Congo émergent. Ce plan stratégique, cet état final recherché, a quatre objectifs stratégiques. Le premier objectif stratégique, c'est la révolution horaire. L'enfant congolais va à l'école seulement 4 heures. Alors qu'ailleurs dans le monde, dans d'autres pays émergents, en Occident, l'enfant reste à l'école 8-10 heures. Par exemple, en Corée du Sud, en temps normal, l'enfant reste à l'école 10 heures en période d'examen, à 15 heures. Le deuxième objectif stratégique, c'est la technocratisation de la carrière enseignante. Vous avez un enseignant d'école primaire qui, dès le matin, il enseigne. Si c'est dans une école conventionnée, il enseigne religion, calcul mental, français, dictée, rédaction, géographie, histoire, et ainsi de suite. Au finish, ces messieurs n'enseignent rien parce qu'à la préparation, ils bâclent tout. Il ne peut pas bien enseigner. Raison pour laquelle je propose qu'il y ait deux enseignants par classe. Un enseignant qui enseigne les sciences et les calculs, et ainsi de suite, et un enseignant qui enseigne les lettres, histoire et géographie. Comme cela, les enseignants enseigneront effectivement et les cerveaux des enfants seront à tout moment sollicités et provoqués par la science pour pouvoir... Troisième point. Troisième objectif stratégique, c'est la démocratisation de l'enseignement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il va falloir rendre les choses faciles pour que chaque enfant qui entre dans les circuits scolaires congolais en sorte gagnant. Par là, je propose la préparation des manuels, des solutions qui accompagnent tous les manuels d'exercice qui circulent dans les écoles comme, en République. Comme objectif, ce dernier point, démocratisation, qu'est-ce qu'il a comme finalité? La finalité, c'est une réussite presque totale pour éviter l'échec scolaire, pour éviter la corruption.
puisque c'est là que ce mal-là entre en jeu. Quand les enfants échouent, eh bien, la corruption entre en jeu. Les enfants échouent, pourquoi? Parce que les leçons sont déjà bâclées à la préparation. D'accord. Ce qui rend difficile l'apprentissage et l'acquisition des matières présentées par les enseignants. Voilà. Donc, messieurs, il y a le quatrième objectif, effectivement, nous en sommes le quatrième objectif stratégique, c'est la création de l'adéquation entre la population scolaire et les infrastructures scolaires. La population congolaise croît au rythme de 3% chaque année. Ce qui fait que si aujourd'hui nous sommes à 80 millions d'habitants, l'année prochaine nous serons à 82 millions 400 000 habitants. Nous sommes à 70, nous serons à 70 officiellement. Enfin, ce qui fait que chaque année, l'État congolais devra courir derrière les infrastructures pour pouvoir s'accommoder de la population qui est très, très dynamique, qui est un objectif très dynamique. Concrètement, vous voulez dire qu'il faut travailler pour la réduction des naissances? C'est-à-dire qu'il faut contrôler la population pour créer cette adéquation. Nous avons une contrôler croissance. Comment? Nous avons une croissance de 3%. Mmh. Il faut des méthodes, par exemple, de planning familial qui aident les familles à contrôler la manière dont elles font des enfants. Et aussi, comment est-ce que je peux dire, amener ces familles, voire même améliorer leur qualité de vie. Puisque une famille qui touche par exemple 1 500 $ et qui a 3 enfants, et une autre qui touche, le papa touche 1 500 $ avec 7 enfants, la qualité de vie dans ces deux familles est très différente. Dans la famille où l'enfant, où il y a 3 enfants, c'est clair, c'est clair. Les enfants vivent mieux. Nous avons bien compris. Alors, professeur Manara, bon, ces quatre propositions tiennent la route. Encore faudrait-il que votre intelligence puisse mâcher tout ça et nous en sortir la substantifique moelle. Non, ce sont les quatre stratégies qui sont excellentes, qui sont très très bonnes. Mais là où le bas blesse, c'est que une stratégie a un objectif, une stratégie pour atteindre, c'est un moyen dont on se dote. Pour atteindre une formation, oui, tout à une fait. École compétitive. Oui, tout à fait. Et cette finalité-là, on se pose la question simple. Il ne faut pas chercher de mots savants. Une école, à quoi que ça sert? Si vous estimez que l'école ne sert à rien, il faut la bouder comme on faisait dans les villages. Moi, je me souviens, dans mon village, il y a des gens qui me trouvaient que tu ne voyais pas l'importance à aller à l'école. Hein? Et ils l'ont évité soigneusement. Bon. Mais à l'époque coloniale à laquelle j'appartenais, on avait même recours, coup de fouet. On prenait les gens, on les envoyait à l'école par la force. Et malgré cela, ils désertaient l'école parce qu'ils n'en voyaient pas l'utilité. Ça, c'est une réponse. Mm-hmm. Quand vous ne voyez pas. Et si une nation ne voit pas que l'école est utile, bon, on n'a qu'à la supprimer. Si une nation est consciente de l'utilité de l'école, d'abord, il faut d'abord définir cette utilité. Et vous allez voir, une fois que vous avez défini, alors vous pouvez mobiliser ces stratégies. C'est vous qui m'avez appris, et je vérifie ça par l'observation, il y a le concept d'offre publique de connaissances. Vous sortez, vous voyagez, vous sortez d'un aéroport, la première personne que vous abordez dans la rue, posez-lui la question, sa façon de parler. Par exemple, qui vous parle du temps, par exemple. Sa façon d'analyser le temps, de parler, eh ben, c'est un indicateur qui montre bien le niveau d'éducation d'un peuple. Observez nos compatriotes. Au Congo, par exemple, mon pays, faites la queue. Hein, faites la queue devant, je ne sais pas, devant une boutique. La personne qui arrive la dernière veut être la première à être servie. C'est un manque d'éducation. Et si vous racontez ça partout, à Kisantu, à Goma, partout, alors vous pouvez dire, ce pays, nous ne sommes pas bien éduqués. Et quand vous dites nous ne sommes pas bien éduqués, vous posez là la question de l'utilité de l'école. Bon, des pays que j'ai connus ont défini l'école. Mais pourquoi aller loin? Les Belges, par exemple. Les Belges avaient des stratégies comme ça. Mais ils avaient défini l'école.
À quoi servait l'école à l'époque coloniale? À rendre le Congolais fidèle à l'ordre colonial. Et les Belges s'est donné les stratégies. Il ne faut pas qu'ils étudient beaucoup plus, il faut qu'ils s'arrêtent. C'est une stratégie. Ceux qui parlent français sont des révolutionnaires. Il faut éviter ceci, et enseigner beaucoup plus la religion et moins le calcul. Vous voyez les différentes stratégies. La vraie question est celle de savoir quelle est la stratégie pour un pays qui vient à peine d'être indépendant. Est-ce que ce n'est pas la liberté? Bon, l'école doit rendre les gens libres. Les gens libres et aller les conduire vers le développement. Mais tout à fait. Nous avons été méprisés pendant l'époque coloniale. Le deuxième objectif de l'école, c'est nous rendre, nous restituer notre dignité. Quand tout n'est pas libre mentalement, eh bien, on peut faire de vous ce qu'on veut. Et puis, l'école, parce que à l'école, on apprend ce qu'on n'apprend pas à la maison. Mm-hmm. Alors là, on aborde la question des sciences. C'est par l'école que nous avons démenti la contradiction qui nous amène à nous poser la question de savoir, mais mon Dieu, pourquoi un pays aussi riche, nous pouvons être aussi pauvres? D'accord. Monsieur Manara, je vous reviens dans un petit instant. Avant de passer à vous, je voudrais que Monsieur Roger Gazumba prenne la parole. Cette stratégie tient la route et Monsieur Manara vient de nous démontrer qu'il faut effectivement commencer par le commencement. À quoi sert l'école? Si on ne sait pas à quoi sert l'école, bien sûr, tout le monde ira à l'université sans savoir pourquoi on va à l'université. La preuve, c'est que tout à l'heure, le jeune homme à ma gauche disait: les jeunes terminent l'université, mais ils ne trouvent pas de l'emploi. Rien que ça. Ça suppose qu'ils sont allés à l'école quasi pour rien. Donc l'école, pourquoi faire? Comme le professeur Manara dit, elle devrait servir à bâtir le vivre ensemble dans tous les domaines de la vie des gens. Parce que nous ne sommes pas venus pour ne pas progresser et progresser par rapport au reste de l'humanité. Alors nous n'allons pas, nous au Congo, penser que nous allons réinventer la roue, parce que le monde, avec ou sans nous, il continue à aller de l'avant. Et il y va avec quels outils? C'est l'autre jour je lisais un document où il y avait un classement des universités à travers le monde, c'est-à-dire le monde connu, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre, l'Europe, le Japon et la Chine, et la Corée. On classifiait les universités, c'est-à-dire que déjà le fait qu'elles soient organisées, qu'elles contentent les pays dans lesquels elles opèrent. Mais ici, maintenant, c'est au plan mondial qu'on est en train de les classifier. Ça suppose que jusqu'à la dixième place, il n'y avait pas une seule école française. Parce que j'ai lu également. Mais voilà. Alors, si pour des pays prétendument plus civilisés que les nôtres, il se pose déjà ce problème-là, a fortiori, chez nous, où est-ce que nous en sommes? Alors, les stratégies, c'est bon. Le plus important, quelles que soient les stratégies, même celles qui ne sont pas les meilleures, qui soient les mieux conçues, le plus important, c'est qu'on commence à les appliquer de façon à pouvoir en évaluer les résultats qu'on obtient, où il y a un résultat, où il n'y a pas. Ça ne sert à rien de les envisager d'une manière théorique. Il faut voir qui va les appliquer. Quand et comment? D'accord. Alors, M. Beyamwamba Aristote, quel prestigieux nom, Aristote. Les auditeurs, les téléspectateurs et auditeurs vont savoir maintenant si Aristote ressemble à l'autre Aristote. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces stratégies et de tout ce qui vient d'être dit? Les stratégies, M. Kibambi, merci premièrement pour la parole. Mais les stratégies, moi, je trouve que elles sont bonnes, mais elles doivent être prises avec plus de réserve. Elles doivent être revues. Puisqu'il y a certains points que vient d'évoquer le pasteur, où moi je suis tombé d'accord avec ça,
mais il y a certains, d'autres non. Je vais par exemple évoquer le cas de la révolution horaire. Ça, le pasteur a effectivement raison. Nous n'allons pas garder les enfants pendant beaucoup d'heures à l'école, pendant qu'il y a certaines heures où tout ce qu'on nous enseigne, là, ça n'entre pas, on ne comprend rien, puisqu'on est déjà fatigué, puisqu'on est affamé, puisqu'on veut rentrer à la maison, puisque l'esprit est ailleurs. Ça, ça vaut vraiment la peine qu'il y ait une réduction d'heures de travail. Vous ne vous êtes pas compris. Au contraire, oui. Lui voudrait que les enfants restent le plus longtemps possible à l'école. Le plus longtemps, excusez-moi, le plus longtemps possible, moi je dirais que c'est là où moi je ne suis pas d'accord. Puisque si on devrait garder les enfants à l'école aussi longtemps possible, pendant beaucoup d'heures, certains c'est fatigue, les cerveaux. Moi j'ai toujours fait un parallélisme du cerveau à la machine. Mmh. Et il s'est fatigué aussi. Et quand on le garde aussi longtemps, il s'est fatigué. Et tout ce qui entre après, c'est pas bien capté. Très bien. Il y a ce point, vous n'êtes pas d'accord. Il y a un autre point où vous n'êtes pas d'accord. Il y a un autre point par rapport à la démocratisation de l'enseignement. Mm-hmm. Dire qu'il faudra joindre à l'outil de l'enseignement qui existe déjà, joindre encore un outil qui faciliterait la compréhension, la réussite à l'enfant. Là, c'est le rendre encore un peu plus fainéant sur le plan scientifique, puisque l'enfant doit apprendre à faire des recherches, doit lire ses notes à la maison. Mais quand il sait déjà que, bon, que je lise à la maison ou pas, une fois que je suis à l'école, j'aurai il va vous répondre oui, tout de suite. Alors, pasteur, garder les enfants 10 heures à l'école, si pareil, dans notre pays, quand on sait que les professeurs n'arrivent pas souvent au cours, ou les moniteurs, alors c'est parfois garder les enfants pour rien, pour qu'ils bavardent entre eux. Non, bah, d'abord, merci Monsieur Kibambi. J'aimerais parler de l'école. Pourquoi l'école? L'école sert à former l'intelligence pour changer le monde. Et l'enfant congolais doit être formé, son intelligence doit être formée, formatée, reformatée pour arriver à changer son milieu. C'est l'homme congolais qui doit changer son milieu. Bien sûr, en s'inspirant des expériences des autres, M. Kazumba disait, nous n'allons pas inventer la roue en République démocratique du Congo. Il nous suffit de regarder ce qui se passe ailleurs et de chercher à l'appliquer, à l'adapter à nos circonstances, à nous. On ne va pas faire ce qu'on dit en informatique, copy-paste, copier-coller, mais nous allons, par des mécanismes d'adaptation, essayer d'insérer certaines stratégies qui ont réussi ailleurs dans notre système éducatif. C'est là pour le bien, non seulement des enfants, mais de la population. De la nation tout entière. Générale. Bon, M. Mwamba est en train de dire qu'on ne peut pas garder les enfants longtemps à l'école parce que il y a la faim, les enfants ne mangent pas bien. Ça, c'est peut-être une bonne préoccupation pour lui, mais il a dit précisément que les enfants arrivent à se fatiguer vers les dernières heures et ils n'écoutent plus rien parce que le cerveau est fatigué, d'après lui. Justement, c'est à cela que je suis en train de m'atteler pour chercher à répondre. Je ne sais pas si après 12 heures, quand l'enfant quitte l'école, qu'est-ce qu'il fait après? Il va se reposer, il reste au lit après avoir été à l'école 4 heures. L'enfant rentre à la maison, il est dans la rue, il est à la télé, il est dans toutes les activités ludiques qui font que l'enfant désapprenne même le peu de connaissances qu'il a acquises à l'école. Mm-hmm. Vous comprenez? Donc, il est très important, puisque ce n'est pas parce que l'enfant va quitter l'école à midi, il rentre à l'école, que cet enfant-là va trouver effectivement de la nourriture, que cet enfant-là, je ne sais pas, va faire quoi. Moi, je pense, comme on le fait ailleurs, C'est une dynamique, on commence quelque part et avec le temps on améliore. Bon, est-ce que rester à l'école pendant 11 heures, c'est nécessairement pour étudier ou bien pour organiser aussi un encadrement spécifique? Il y a des encadrements qui s'organisent, mais rester à l'école pendant longtemps, pourquoi? En République démocratique du Congo, c'est parce que les enseignants ne terminent pas le programme.
Les prévisions des matières ne sont pas terminées à cause de cela. Mmh. Notre enseignement est pratiquement bâclé. Ils se plaignent. Et malheureusement, il n'y a personne pour les entendre. Ils se plaignent pour leur salaire, mais ils ne se plaignent pas par rapport à la qualité du travail qu'ils rendent à la population. Le deuxième point sur lequel vous n'étiez pas d'accord, c'est lequel ? La démocratisation de l'enseignement. Oui, la démocratisation de l'enseignement. Bon, l'enseignement pour tous. Bon, vous passez de classe, parce que vous avez le manuel de correction à côté. Bon, l'enseignant, c'est un facilitateur. Oui, c'est pas un complicateur. Ce n'est pas un complicateur. L'enseignant doit faciliter la matière par des très bonnes méthodes d'enseignement. Il doit faciliter l'enseignement en préparant les matières à enseigner lui-même. Effectivement, comme ça, quand il arrive en classe, il enseigne effectivement. Et les enfants, à leur tour, ils ont des cerveaux, des neurones qui sont en permanence sollicités par la matière intellectuelle, par la matière scientifique. Parce qu'elle est bien enseignée. Non, raison pour laquelle je propose que l'on résolve tous les exercices dans les manuels, qu'on les résolve, qu'on ait des bouquins à part, partout en République démocratique du Congo, de telle sorte que eh bien, la corruption ne puisse pas exister, puisque les raisons qui facilitaient ce mal n'existeront plus. D'accord. D'accord. Monsieur Manara, je vous vois sourire. Oui. Vous savez, moi, j'ai étudié l'algèbre, mais pas la théorie des ensembles, pas les mathématiques modernes. Mais je me suis trouvé en Europe avec des enfants. Et les enfants attaquaient les maths modernes au collège. Qu'est-ce que j'ai fait? Je devais apprendre les mathématiques modernes pour accompagner les enfants à la maison. Quand un enfant rentre à la maison, il est pris en charge. Il doit préparer. Il a son cahier où sont notés les devoirs qu'il doit exécuter à la maison. Et un enfant qui n'est pas accompagné, eh ben, cet enfant-là est malheureux. Et c'est soit la mère, soit le père qui doivent accompagner. C'est pour ça que ceux qui accompagnent leurs enfants n'ont pas de vie extérieure. J'observe dans mon pays, à 17h, moi je me balade calmement du côté de Matongé. Et je vois les tout-petits, 6 ans, 7 ans, en train de se rouler sur les sables, jouent. Et c'est la coule douce, comme on dit, on dirait, l'immanée est trivial. Je me dis, est-ce que ces messieurs, cette dame, cette petite demoiselle qui a été surroulée par terre, est-ce qu'il a des devoirs à rendre demain matin? Je ne crois pas. Il n'y a pas de suivi. Et il y a des raisons. C'est parce que le pays est pauvre. À l'époque coloniale, on aurait organisé des salles. On récupère tous ces messieurs-là, toutes ces petites dames-là, et on les garde jusqu'à 19h, à un endroit. Parce que ils n'ont pas de... d'endroits pour étudier. Oui, pour la maison n'est pas suffisamment. D'encadreurs. Voilà, il n'y a pas de moyens d'accueil à la maison. Tout est lié, vous savez. J'entre dans une maison, dans un foyer ici, ils sont 6-7. Et ils n'ont qu'une seule salle. Où est-ce que vous voulez que maman ou papa puissent reprendre les gamins et les aider à faire leurs devoirs? Donc, tout est lié. La pauvreté. Et la famille qui n'est pas bien structurée, et il y a aussi une question de culture. Beaucoup de parents n'ont pas l'habitude de rentrer chez eux. Après le travail, ils restent au bar, en train de manger d'un tabac. Et c'est maman qui s'occupe des petits. Souvent, ils rentrent à la maison quand les enfants sont déjà au lit. Ils ne savent même pas qui est tombé malade. Et il en est qui n'ont jamais regardé les cahiers des enfants. Ça, c'est une question de culture. D'accord. Il faut absolument changer. Et je reviens à la question. Tout ça, c'est des stratégies. Nous devons nous poser la question de savoir à quoi sert l'école. Et le pasteur y a répondu. Oui, mais pas totalement. Et, écoutez, regardez, nous sommes dans un pays qui aspire au développement. Hein. Bon, ils appellent ça autrement, l'émergence. Attendez, le Congo émergent. Mais il y a des prérequis. Hein, il faut des bonnes écoles. Il faut rester longtemps à l'école pour apprendre, maîtriser les mathématiques. Quelle est la place des sciences dans notre système d'enseignement? Et ça, c'est un moyen aussi. Un pays qui a beaucoup de ressources naturelles, mais qui n'est pas riche,
Oui, parce qu'avoir le cuivre du Katanga, ça n'est pas suffisant pour être riche. Encore faut-il avoir la capacité de pouvoir l'extraire. Maintenant, on dit d'ailleurs que le diamant au Kassai est à 1 km sous nos pieds. Donc, un pays comme le nôtre doit se dire, pour que le Congo devienne une puissance, il faut absolument que ce pays soit un pays des mathématiques et des chimies, de la physique et des disciplines. C'est une stratégie. On doit, dans ce pays, privilégier les sciences. Et dans ce pays, nous devons repérer les meilleurs d'entre nous. Là, moi, je suis Moua Manara, je suis le produit de la compétition. Moi, j'ai toujours passé les concours. Et les concours, là, c'est défilé. Les faibles restent. Il n'y a que les meilleurs qui passent. Très bien. Essayons. C'est une stratégie. Et nous avons des savants. Et moi, il y a du côté du boulevard Triomphal, il y a des robots. On en a parlé même sous forme d'humour. Il y a une radio périphérique qui s'est fait l'écho de ce qui se passe du côté du boulevard Triomphal, où des ingénieurs congolais ont mis en place un système de régulation de la circulation. De circulation. Si vous voulez développer le Congo, nous devons maîtriser les sciences. D'accord. Maîtriser ces sciences, c'est avoir la capacité de transformer la nature en richesse. Merci, Monsieur Manara. Développer l'école, c'est aussi considérer que ceux qui ont été à l'école se comportent bien dans la société. Or, nous constatons que le produit des écoles, le produit des savants qui sont dans notre pays, ce produit-là, parfois, vous le trouvez un peu frelaté, c'est un autre débat. Vous êtes satisfait par les explications données par le pasteur ? En partie, monsieur Kibambi, laissez-moi encore dire au pasteur que la corruption, il a évoqué un point très important par rapport à la corruption qui sévit aujourd'hui au milieu scolaire. Moi, je ne les lis pas forcément suite à l'application, non. S'il y a corruption aujourd'hui, on doit se les dire sans avoir froid aux yeux. Il y a des enseignants qui vivent avec un salaire de misère. Un enseignant qui est très mal payé. Et les professeurs ordinaires ont 2000 dollars. Hein, c'est déjà quelque chose. Les professeurs ordinaires, mais seuls, ils ne peuvent pas faire le travail. Et ils sont suivis des chefs de travaux. Donc il faut penser à tout ce monde-là. Il faut penser à tous ces mondes. Il faut penser D'accord. à une bonne rémunération. Puisqu'une personne qui est très bien rémunérée, je ne pense pas qu'il pourra laisser une seule seconde céder devant la corruption. Oui. Ce n'est pas question de démocratiser, si je dois appeler ça ainsi, l'enseignement, pour mettre à l'abri les enseignants face à la corruption. Il y a des pays où tout le monde avance. Oui. Hein? Mais il y a des sessions de rattrapage sur certains pays, et à ce niveau-là, le pasteur n'a pas complètement tort, mais nous ne sommes pas habitués à cela. Quelqu'un comme M. Manara, oui. qui a toujours été soumis à des concours, bien entendu, les concours qu'il a remportés haut la main, ne voudra pas que les autres puissent le rejoindre facilement. M. Gazumba. Oui. Je pense qu'en parlant de l'école, en se posant des questions à quoi elle pourrait servir. Vous avez eu la réponse de. Les réponses, nous l'avons obtenue. Mmh. Mais on peut simplifier en disant, nous avons un cadre de vie qui est notre pays. Notre pays est doté de ce qu'on a l'habitude d'appeler les potentialités. Mmh. C'est-à-dire les richesses qu'il y a. Qui dorment paresseusement tout ça, dans le tout sol. Cela. Et on doit arriver à transformer ces potentialités en richesses qui nous permettraient le bien-être, le bien-vivre dans notre pays. Et dans les autres. Si on prend l'exemple de la France, l'autre jour, je suivais un documentaire sur la spécialisation de la France, c'est que c'est un pays où il y a eu beaucoup de corps de métier. Mmh. Et ces métiers se transmettaient par apprentissage, c'est-à-dire du maître à l'apprenti, etc., etc. Et ensuite, à côté de cela, excusez-moi, c'est chat, ne pour pas le matière, les matières beaucoup plus évoluées, il a été
il s'est avéré un besoin d'instruction, d'où l'école, et surtout les grandes écoles pour les matières les plus compliquées, c'est-à-dire l'ENA, et tout. L'ENA, la Polytechnique et consorts. Justement, pour que les Français transforment leur pays, pour donner aux citoyens de ces pays-là le bien-être auquel ils aspiraient par leur propre travail, étant donné l'obligation qui a été faite à l'homme depuis le paradis terrestre, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais cette sueur de front, elle est plus importante chez celui qui ne se donne pas les moyens évoluer, les faciliter, de transformer son environnement par l'instruction, par la formation, etc. etc. Donc, si c'est un ouvrier qui n'est pas qualifié, c'est de là que vient le terme, il va avoir des tâches beaucoup plus ardues, beaucoup plus pénibles, etc. D'ailleurs, maintenant, la mode en Europe, c'est la réduction de la pénibilité du travail. Donc, l'école, on peut résumer ça aussi en disant qu'elle nous permettra de résoudre ce problème de pénibilité du travail. Ah, absolument. Autrement, nous ne sommes pas des humains. Nous demeurons au stade des vaches qui servent à traîner le chariot pour labourer, des choses comme ça. D'accord. Oui, après tout ce qui vient d'être dit, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Parce que nous allons conclure, chacun aura un petit mot en lingala. Justement, comme M. Manara, je suis le produit de compétition, moi. Pour aller étudier aux États-Unis, j'ai eu à faire beaucoup de tests. J'ai fait le Graduate Record Examination, GRE. J'ai fait le TOEFL, Test of English as a Foreign Language. Pour aller étudier en France, j'ai passé beaucoup de tests aussi. Même jusqu'à ce jour, je continue à passer des tests pour accéder à telle organisation, à telle facilité. Je passe toujours des tests. Donc, nous sommes mieux placés pour parler. Alors, pourquoi alors démocratiser? Et je voulais dire quelque chose sur le propos de M. Mwamba. Oui. Salaire des enseignants. Mmh. Nous sommes dans un marché de dupes. Un enseignant qui reste 4 heures à l'école, vous voulez lui payer quel salaire? Il veut quoi? Il n'enseigne que 4 heures, alors que tout le monde va travailler 8 heures. Ça, c'est une question. Il y a un marché des dupes entre le gouvernement et les enseignants. Les enseignants veulent tricher sur le gouvernement, et le gouvernement les regarde et dit: monsieur, vous n'êtes pas assez malin. Moi, je m'en tiens à ce salaire que je vous donne parce que vous ne travaillez pas 8 heures. Oui, mais il n'a qu'à leur donner le salaire qu'il faut, quitte à les punir après, à envoyer les inspecteurs voir ce qu'ils font, non? Bien, c'est pourquoi nous mettons ces stratégies sur la table. Mm-hmm. Pour qu'on en tire profit, que l'État ne soit pas dupe des enseignants et que les enseignants ne soient pas dupes de l'État congolais. Que tout le monde, que ce soit un marché gagnant-gagnant, que les enseignants restent à l'école 8 heures, qu'ils enseignent la matière comme il faut, effectivement, et qu'il soit rémunéré au final. Au final, on voit le résultat, que les parents soient contents. Mm-hmm. Vous comprenez? C'est à la fin de cela que le gouvernement congolais pourra se dire: voilà, 8 heures égale un salaire donné. D'accord. Je voulais ajouter la corruption. La corruption va disparaître puisque aucun enfant, avec la facilitation qu'on aura de la part des enseignants, aucun enfant ne va courir derrière un professeur ou un parent, derrière un professeur pour dire: mon enfant a échoué. Puisque tout aura été mis sur la table. Comme le professeur Manara l'a dit, l'école ne s'arrête pas à l'école, l'école va continuer jusqu'à la maison. C'est-à-dire, quand l'enfant arrive à la maison, les parents le prennent en charge. Les parents qui ne savent pas résoudre une équation d'algèbre vont recourir au manuel de réponse pour pouvoir comprendre le cheminement jusqu'au résultat. Et en ce moment-là, quand l'enfant va à l'école pour faire un test quelconque, certainement, je suis sûr que l'enfant va réussir, puisque c'est comme ça aux États-Unis. Vous voyez, on parle de suréduquer les enfants aux États-Unis. D'accord. Donc, ça doit continuer à la maison. D'accord. Professeur Manara, tout le temps, on n'a pas répondu à ma question, mais c'est pas grave. Oui. Tout à fait d'accord avec le pasteur. Mais il faut entendons-nous bien. Pour moi, l'école n'est pas une. Il y a plusieurs écoles.
Bon, il y a ceux qui, par exemple, tout le monde n'a pas... 15 minutes, on conclura en ligne. Alors. Tel que nous sommes là, tout le monde n'a pas la capacité de tout comprendre. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre les mathématiques, qui n'ont pas envie de faire un effort pour comprendre les maths. Et ceux-là, il ne faut pas les obliger à comprendre les mathématiques. Tout le monde n'a pas vocation à aller à l'université. C'est l'erreur qu'on commet. Là, à l'université, ça exige des aptitudes que n'a pas un homme qui l'on devrait orienter vers la menuiserie. Laquelle menuiserie est utile à la nation. Pour transformer oui, tout ces à fait. Fameux... Nous devons absolument avoir une école qui a d'abord en commun la liberté, la dignité, le savoir vivre ensemble, nous aimer, constituer une nation. Ça, c'est ça qu'on voit. Moi, j'ai le bonheur, la chance d'enseigner des tout petits en France également. J'ai vu, la première chose qu'attrape le petit Français qui quitte l'école primaire, c'est l'amour de la France. Pourquoi ? Parce qu'il en connaît l'histoire. Il sait qui est Louis XIV en primaire. Mais aujourd'hui, à la sortie de l'école, il me pose la question, qui est Lumumba ? Qui est Patrice Lumumba ? Et bientôt, dans 10 ans, qui est Mzé ? Ils ne sauront pas. Qui est Kachamankoy ? C'est lui qui est chanté par Rocheron, personne ne le sait. D'accord. Qui est 15 Domingo, c'est quoi le jeu ouais, l'histoire de ces pays, mm-hmm. hein, nous ne la connaissons pas. Comment voulez-vous aimer ce pays? C'est l'école qui doit nous faire connaître ces pays et nous amener à l'aimer. Bon, c'est l'école qui doit nous donner la capacité de le faire progresser, soutenir la compétition, mm-hmm. faire de ces pays une puissance, non pas par des discours. Mais pas en créant des usines, en transformant nos richesses naturelles. Ça, c'est l'école qui forme des intérêts. Un jour, la France est devenue grande parce qu'elle a sorti de la guerre. En 1870, les Français se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas d'ingénieurs. Et c'est comme ça, la France a besoin d'ingénieurs. Et ils ont commencé à les former par des lois de programmation. Et nous avons besoin des ingénieurs, c'est sûr, parce que nous avons des matières premières qu'on a... Qu'on appelle, comment vous appelez encore des potentialités. Bon, toi aussi c'est Mission Nabisso, Bandeko Balobi, Bolobara Français Mingi, Bobanda, Ko Salapé Profondeur, on a Lingala, Yo Lobini, n'a résumé, n'a magambonyo so yokia. N'a qu'au résumé, avis à Bandeko, il y a une mission à Bissot. Bon, Ngaï, n'a Koko Lobaboué, n'a Lingala, par rapport à ce sujet à Bissot. École et Zali et Salami et Zali na Congo, mais pour na souka nini, pour na fin nini. Mm-hmm. Est-ce que école na Congo le loza ko atteindre ba objectif na yango ya ko former bateau ba Zali ba produit moko fini pour na kozala utile na société. Ngana zo kanisa ke Zali ou zo Salama le lote. Donc ngai na vouloir na ko senga kaka que vraiment ba tient un peu plus sérieux. Dans l'école et dans ça l'effort que école et atteindre réellement bah objectif mais yo aussi ici classe oui hein oui yo aux accords le pote nani mon local il y a Mindele Malamu ok donc au sein qui m'a cassé nyonso pose à un niveau où yo to yambayo na émission yo au sein là qui ne dégaine ni baninga bah koko kata kolo ba entre bango Monsieur Kibambi, na koko zala sincère, na koloba fembo que école primaire au ngala salaki, na complexe scolaire le Joël Itin, na Bandalungwa et zala ki base monene pour ngai, et zala ki formation monene et puis à l'époque wana puis ça date et là depuis l'époque il y a papa Mobutu et fort wana zala ki na école secondaire na groupe scolaire du Mont en bas et zala ki encore plus amplifié et fort Izalaki. Mais nga mopena avec ko se sacrifier, nga mopena avec peko ça l'effort, ya ko luka ko yeba. Dalia ko osukana na effort na yo. Résumé monsieur Gazumba, ya makambo. Yo kaki musicien moko wa lobby na Nzembo ko yeba musala et sala ka elengi moko boyi. Ah ça c'est beau. Qui toque koyeba musala et ça a été lingi moko boye. Donc na ndenge to balaka ba émission na zaï koloba na ba exemple na zaï ko pesa na lobaki na bokoko na biso monsieur Kibambi tata oyo ba bengi ye vrai tata akolakisa mwana na ye musala oyo ko sala ke lobi mwana na ye aleisa mwasi na ye aleisa bana na ye donc et na makambo wana kokosa ekoki kozala te yango na pesaka exemple que
papa ya lokele akoye akolubela mwana na ya mobali babo makambisi boy babo makambisi boy mwana wana akoki ko tricher na likambo wana te parce que souka na ye il faut abimisa mbisi na mai ale sa bana na ye ale sa mwasi na ye po ba pesa ye respect a livre mobali na kate liboto na ye et puis o etikali ateka po azwa makuki ya kotinda mwana na classe ya kosomba savon ya kosomba ilamba. Donc la makambo toza koloba oyo pasteur aye nango lelo ya tina ya école ezali pona biso ba congolais tozala lokola na monde moderne na monde ya sika ezali lisusu koloba mbisite lokola balokele na village ezali kotonga ba immeuble ko sala ba pont ko sala ba ko transformer cuivre ezana mabele eko ba singa ya komema électricité yango wana ekomi mosala ya sika ya monde toza ko vivre donc toko yeba yango te toko sala yango te soki to yekoli yango na classe te toko sala yango te soki toza ko pesa mbongo na ba professeur po bana na biso bazwa ba point bazwa ba point mama professeur asingio mbongo yebisaye mosala na ngai sinon toko zwa ba ingénieur baza ko sala ba bâtiment minene et kwanda ko ya pamba pamba. Pasteur, oui. Tu vas nous soukis. Merci. Yo lobinaini. Na lobeli makambo mine. Likambo ya liboso na lobeli ngonga. To motango ya ngonga bana bazali kotikala na bitelo. Ebongi bana batikala na bisika ya bitelo. 8 heures, c'est pas plus. Pona nini po ete bongo na bango et salama malamu et que la mamalamu na lolenge ya mibale et pas ina batu oyo ba tinda mi po bate ya bango ezala mathématiques ezala français ezala bakuru nini bana bayeba ko a magaziner biloko wana na katikati na mwa motango ya bangonga wana po na bikolo mususu bana bazali kotika la tango mulai na bisika ya bitelo mpe bazali koyekola yango wana bamboka mususu yango ebengami lelo pays emergent bamususu babengami super puissance encore bamususu hyper puissance likambo ya mibale na lobeli ezali likambo ya ko sala na lolenge ke molakisi nyonso ateye oyo ye ayebi koteya puisque bateyi mususu bazali koteya biloko bayebi te akoya na classe à côté ya religion à côté ya mathématiques à côté ya géographie à côté ya français a manioli a yebi eloko moko te na katikati wana assez profondément pona koya côté ya ban tozali na posa ya bateyi oyo bazali côté ya na côté ya solo yango wana na biengi yango technocratisation ya carrière enseignante au primaire. Troisième. Likambo ya misato na lobeli ezali likambo ya kosala ete mwana nyonso oyo akokota na biteyelo mwana wana abima molongi na ekole primaire mwana nyonso abima molongi mwana moko ya libota ya Congo atikala na sima te na ekole primaire mpona bongo esengeli ba manuel nyonso oyo ezali ko ya ba exercice ba probleme ezala accompagné na ba manuel oyo ya ba solution to biyano na lolenge ke tango mususu moboti akoki kosalisa mwana atangi ba réponse wana alakisi mwana soki mwana na nzela na ye moko ayebi ko résoudre ba problème yamine tozali kolobe te kobota ezali elengi kasi pona kotangisa bana malamu na mabota na zali kolobete to limite kobota to limite kobota pona nini po biteyelu ezali ebelete mpe population na biso ezali kokola na motuya ya 3% chaque année bongo soki tozali kolanda makambo ndenge wana tokozala chaque année na 2 400 000 habitants soki population na biso lele ezali ya 80 millions d'habitants gouvernement na biso akokoka te donc nazali koloba kosenga ete pour un enseignement de qualité un enseignement ya batu nyonso mwana akoti classe atangi bien azali kofuta soki minerbala bazofuta yango bafuti bien
Il faut limiter le nombre de naissances. Yango. Toyo qui pasteur, Tokatio Maloba, Manara, au Kosu qui s'est Makamboy. Oui. Essayez de comparer la licence de droit en 1961. Dans l'ingal au côté. Hein? Oui, mais je vais y arriver. La licence, l'époque d'Étienne Tshisekedi à l'Ovanium, la licence de 1961, ça c'est l'année où Tshisekedi a eu son doctorat, premier doctorat, et la licence d'aujourd'hui. Vous allez voir qu'aujourd'hui, une régression. C'est malheureux de voir nos enfants devenir moins intelligents que nous, alors qu'ailleurs, la génération qui suit est toujours plus intelligente que la précédente. Et je vais essayer, pour ne pas paraître condescendant vis-à-vis des langues de mon pays, je vais essayer en lingala, en disant simplement ceci. Ce qui est l'ombo qu'on a vu sur Eza Nassé, tout ça, qu'on a libo sauté, Eza Kulinganini, que là, c'est Beba, na tango ya belge, que là, c'est Eza Kinatina. Otala batoloko la balumumba batanga kimingi mingi te metala mayele bazaki na yango oyo lelo nani mtu akokulubake azaki na mayele lokola lumumba mtu azate mayele ndeni kulinga mboka kulinga bakongole kulinga mboka kendeli boso paske ke kilasi bakendeki mwamukewe ezaki kilasi ya valeur oyo lelo oyo batunyosa bazana ba diplome munene munene mais otala na kati ya mutu mayele ezate wana différent contradiction wana il faut absolument tout bon se classe classe nde bomoi classe nde bomoto classe nde kolingana parce que na classe lero kote na classe okufanda na muluba muluba kufanda na mukongo mukongo na muluba kufanda na muswahili na classe monko ba camarade nanga ona zana bango bazaba ekolo nangate ezaba ba ona kutenda bango na classe batu ya bandundu batu ya katanga batu ya bakongo de ba classe na ngana za vrai congolais parce que na lingi ba congolais nyoso pe grâce à l'école. Merci vous savez surprenant je pensais que le dernier de la classe aurait été monsieur Manara au contraire non Nandere Bosenga qui que Tobanda aussi ça sera même émission au moni batou nyon so bazar Hollande télévision ba français belé yangwana tobanda routier moi lingana katipo makamoni za ko lobaiza na tina ok na classe coupé ça kolinga mwana le katé soki nano akomba yoki makambo ya nani wana te parce que tu as besoin ba savant au barbando sala ba pont ya minene soki azana eloko na mutute a rosala pont et ça dit deux jours au matana na likolo et kwei toyokani. Voilà mesdames mesdemoiselles messieurs j'espère que mon lingala s'est amélioré. Quand je faisais la campagne électorale on se moquait de moi, maintenant je vais tout faire pour m'améliorer dans la langue de Kinshasa. Merci d'avoir suivi ce numéro. Le prochain, à la semaine prochaine. Bonsoir.